Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Petite SRT. Je sais même plus, je crois, c'est même plus une SRT, je sais même plus c'est quoi. Vous le verrez dans la description, dans le texte. Franchement, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Franchement, je suis fier d'avoir ça. Alors, je crois, je sais, c'est quoi, c'est... Oui, une SRT, oui, tout à fait banal. Donc, une petite lanterne 100% néerlandaise aussi, également. Hein. Donc voilà, vous allez me dire, what the fuck? Comment que ça se fait que tu arrives à trouver des perles rares comme ça? Alors, de temps en temps, j'ai des perles rares allemandes. De temps en temps, j'ai des perles rares néerlandaises. Vous savez que j'ai aussi des perles rares italiens. J'ai aussi de l'anglais. Je m'occupe beaucoup actuellement des luminaires en dehors de France parce que j'ai pas mal, encore la chaudière, j'ai encore pas mal, on va dire, de lanternes à trouver. Et le problème, c'est qu'en France, j'ai quasiment, on va dire, 98% des lumières françaises. Donc je peux plus me permettre de me dire ouais machin truc. J'ai encore quelques-unes qui me manquent. Hein. J'ai les HGS, bon ça HGS 125, j'ai pas. Mais 250 et 400 j'ai. Krilat j'ai. Marina j'ai. J'ai encore pas mal de choses à découvrir. Bah, après j'ai les coffers. Mais ce que j'ai c'est voilà. Donc en modèle français j'ai quasiment tout. De toute façon je ferai un truc, un dossier là-dessus, ce sera intéressant. Mais franchement, des lanternes néerlandaises. À part, bon, il y a aussi les GSO, il y a aussi les lanternes belges aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je commence à avoir pas mal une petite panoplie de lanternes néerlandaises ou belges ou allemandes ou italiennes ou anglaises. Je commence vraiment à avoir, on va dire, un petit truc de qualité. Et non, franchement, là, c'est une grosse dinguerie. En 2022, j'en ai récupéré quand même pas mal, je crois, 300... je sais plus, j'en ai récupéré combien en tout, parce que j'ai... J'ai 18 pages, 376 ou 386 à peu près, et je m'en rappelle plus. Mais ça va déjà vite. On a quand même pas mal de choses. Et là, franchement, on l'a nettoyé. Donc, c'était une vraie merde à nettoyer ce truc-là. Pareil, des lanternes aussi qui seront mises à jour dans l'inventaire. Et ça a été mis à jour déjà depuis l'année dernière dans le Big Live. Franchement, là, c'est, on va dire, un superflu. Parce que là, franchement, je vais vous montrer. Elle a une histoire celle-là. Elle a vraiment une histoire. Voilà. Une petite SRD. Voilà. Donc celle-là, elle sera vraiment préparée. Alors j'ai un petit câble parce qu'on l'a allumé. On l'a testé. Franchement, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment un petit luminaire. C'est voilà. Donc c'est du Philips. Donc alors peut-être que des puristes retrouveront le luminaire parce que moi j'ai mis SRD. C'est peut-être pas une SRD. Voilà, donc si vous connaissez le nom officiel, moi j'ai mis Philips SRD, mais c'est peut-être pas une SRD. Donc vous pouvez me dire directement ce que c'est en description, avec en commentaire. Donc ça peut être bien à savoir. Mais franchement, ce modèle-là, elle est quand même assez fourbe. Parce qu'on a galéré, vous voyez, on voit des traits noirs, des points noirs. En fait, quand on a voulu la démonter, les vis étaient complètement bouffées. Pas bouffées. C'était en inox, elles n'étaient pas bouffées, mais elles étaient complètement soudées dans l'aluminium. Alors vous savez quand même que l'aluminium et l'inox, ça fait pas bon ménage, surtout quand c'est vieux. Et en fait, le truc, c'est qu'on a chauffé, jusqu'à tel point que la vis en inox a été rouge. Et je peux vous dire que c'était long, parce que je me suis niqué mes mains tellement que ça faisait mal. Justement, pour dévisser tranquillement, sans trop niquer la tête de vis, justement, là, les 4 vis, donc là maintenant je les ai retarodés proprement, donc là maintenant ça fonctionne nickel. Mais je vous garantis, c'était une grosse dinguerie quand j'ai voulu les démonter. Mais franchement, maintenant elle est fonctionnelle. Bon, bien sûr, je la repeindrai. Vous allez me dire, ouais, t'es con, machin, la repeindre. Je la referai proprement plus tard. Donc d'ici là, elle sera refaite. Donc quand je leur ai fait la série de la lanterne. Parce que je vous dis, c'est pas avant 2025 maintenant. Mais celle-là, elle me plaît particulièrement parce que franchement, elle a vraiment une sacrée histoire. Et je suis bien content de l'avoir. Bien sûr, c'est pas à moi, c'est à Dorian. Parce que Dorian aime tout ce qui est bar fluo et bar sox. Mais franchement, pour ma part, c'est une grosse dinguerie. Parce que je pensais pas, même Dorian ne pensait pas récupérer une lanterne sox comme ça. Bon, il y a The Lampost Chadel qu'on a parlé, je crois, sur cette luminaire là. Mais non, je crois qu'il l'a pas celle-là. Mais dire, c'était vraiment une merde. C'est pareil, la douille. Une vraie chie à faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la douille, pour ma part, elle est mal fixée. Déjà, elle est fixée comme il faut.
Mais les vis étaient complètement bouffées, vous pouvez pas imaginer. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, c'était, on a cassé un petit peu la douille, vraiment un petit peu, pour pouvoir défaire la chemise, pour pouvoir démonter le truc. Finalement, c'était cassé en deux. On l'a défait une partie. Finalement, on a recollé la deuxième partie pour refixer. Après, on a refixé la chemise en mettant un petit truc collé, machin. Bref, la douille, en fait, elle est en une, deux, trois, quatre. En quatre pièces, la douille. Alors qu'en fait, elle était en deux. Donc, vous imaginez. Donc, du coup, là, elle tient vraiment in extremis. Mais c'est vraiment une douille de qualité parce que c'est une vieille douille en porcelaine. Bon, une douille en porcelaine, vous m'avez compris. Une douille comme ça des années 60. Et je pense que ce mien-là date des années 60 parce que c'est sûr et certain. Mais franchement, c'est un pur régal d'avoir ça. Bon, bien sûr, c'est bon. Je vous démonte pas la colonne hein, parce que c'est chiant. Parce qu'en fait, c'est simplement un domino qui est derrière avec l'alimentation de du fil. C'est vraiment rien du tout. Je vous montrerai peut-être aussi ça par contre dans la vidéo de la lanterne. C'est très intéressant. Mais franchement, voilà. Donc, c'est un luminaire 100% néerlandais. J'ai d'autres luminaires qui sortiront plus tard. Mais par contre, voilà. Donc, un petit luminaire traditionnel Philips SRD néerlandais. Ça fait plaisir. On va pouvoir se laisser là-dessus. Donc, bien sûr, toujours pareil, des petites vidéos qui durent quelques minutes. Mais ça fait plaisir de voir ça. On sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah. Du 100% fresh. Ah, c'est pas faux!